Installez-vous sur votre tapis, les mains en Anjali Mudra. Prenez votre ancrage, de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Engagez votre respiration Ujjayi. Prenez une grande inspiration par le nez. Vande Gurunam Charanaravinde Sandachita Swatma Sukhava Bodhe Nishreyase Jangali Kayamane Samsara Hala Hala Moha Shantye Abahu Purushakaram Chanka Chakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjali. Restez quelques instants, Samastitihi. Surya Namaskar A. Et Kam inspire, bras tendus vers le ciel. Dwe expire, main au sol, tête au genou, Uttanasana. Trini inspire, dos plat. Chatwari expire, Chaturanga. Pancha inspire, le chien tête en haut. Chat expire, le chien tête en bas. Ajustez position de vos pieds, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. 5 respirations. 1, 2, 3, 4. Pancha inspire, saute entre les mains, deux plats, allonge la colonne. Ashto expire, tête au genou, Uttanasana. Nava inspire, je me redresse, regard en direction de mes pouces. Expire, Samastitihi. Ekam, inspire, bras tendus vers le ciel. Dwe, expire, main au sol, tête au genou. Trini, inspire, j'allonge ma colonne. Chatwari, expire, je saute, Chaturanga. Pancha, inspire, le chien, tête en haut, épaule vers l'arrière. Chat, expire, le chien, tête en bas. Ajustez position de vos pieds. Tête dans le prolongement de la colonne. 1. 2, 3, poussez les fesses vers le plafond, pressez les mains dans le sol ainsi que les talons, 4, aspirez le nombril, respirez, 5, Sapta, inspire, saute entre les mains, dos plat. Ashta, expire, tête au genou, Uttanasana. Nava, inspire, je me redresse, bras tendus vers le ciel. Samastitihi, expire. Dernière, Ekam, inspire. Dwe, expire. Trini, inspire, allonge. Chatwari, expire, saute. Pancha, inspire. Chat, expire. Ajustez position des mains, des pieds. Poussez les fesses vers le ciel. 1. 2.
3. Quatre. Cinq. Sapta inspire, saute, pieds joints entre les mains, dos plat. Ashtau expire, tête au genou. Nava inspire, je me redresse, bras tendus vers le ciel, regard vers les pouces. Samastitihi, expire. Souris Namaskar B. Ekam inspire, genou plié, bras tendu vers le ciel. Dwe expire, tête au genou, main au sol. Trini inspire, j'allonge ma colonne. Chatwari expire, saute, descend. Chaturanga, Pancha inspire, le chien tête en haut. Chat expire, le chien tête en bas. Sapta inspire, pied droit devant, genou plié, j'étire les bras vers le ciel. Ashto expire, les mains au sol, Chaturanga. Nava inspire, le chien tête en haut. Dasha expire, le chien tête en bas. Ekadasha, pied gauche devant, étire les bras. Dwayodasha expire, les mains au sol, Chaturanga. Trayodasha inspire, le chien tête en haut. Chaturdasha expire, le chien tête en bas. Ajuste position des pieds. Poussez les talons dans le sol. 1. Deux, trois, respirez profondément, pressez les mains dans le sol. Quatre, relâchez bien la tête dans le prolongement de la colonne. Cinq, Panchadasha, inspire, je saute pieds joints entre mes deux mains, allonge la colonne. Shodasha, expire, la tête au genou, main au sol. Saptadasha, plie les genoux, inspire, Utkatasana. Samasthitihi, expire. Deuxième, inspire, Ekam. Dwe, expire, tête au genou. Trini, inspire, j'allonge. Chatwari, expire, je saute. Pancha inspire, le chien tête en haut. Chat expire, le chien tête en bas. Sapta, pied droit devant. Plie le genou, étire les bras, regarde vers tes pouces. Ashto expire, Chaturanga. Nava inspire, le chien tête en haut. Dasha expire, le chien tête en bas. Ekadasha, pied gauche devant. Plie le genou. Dwayodasha expire, main au sol, Chaturanga. Trayodasha inspire, le chien tête en haut. Chaturdasha expire, le chien tête en bas. 5 respirations. 1. 2. 3. 4, 5, Shodasha saute entre tes mains, tête au genou, Shodasha expire, tête au genou, Saptadasha, genou plié, Utkatasana, expire, Samastitihi, dernier, Ekam inspire, Dwe expire, tête au genou, Trini inspire, j'allonge, Chatwari expire, je saute. Pancha inspire, chien tête en haut. Chat expire, chien tête en bas. Sapta inspire, pied droit devant, genou plié, j'inspire. Ashto, Chaturanga, je descends. Nava inspire, chien tête en haut. Dasha expire, chien tête en bas. Ekadasha, pied gauche devant, inspire. Dwayodasha expire, descend, Chaturanga. Trayodasha inspire, le chien tête en haut. Chaturdasha expire, le chien tête en bas. 1, 2, 3,
4. Cinq, Panchadasha, inspire, saute entre tes mains, pieds joints. Shodasha, expire, tête au genou. Saptadasha, inspire, genou plié, redresse. Samasthiti, expire. Padangusthasana, les jambes écart de hanche, inspire, attrape gros orteil avec index majeur, allonge la colonne, expire, tête au genou. 5 respirations, 1, 2, mettez du poids sur l'avant des pieds, poussez les fesses vers le ciel, 3, rapprochez le buste des jambes, 4, épaules loin des oreilles. 5. Inspire, allonge la colonne. Expire, Padahastasana. Glissez les paumes de main sous vos plantes de pied. J'allonge ma colonne, je regarde loin devant. Et j'expire le buste vers les genoux, vers les jambes. Je relâche la tête. 1. 2. 3. 4, 5, inspire, j'allonge ma colonne, expire, inspire, main ou hanche, je redresse, expire, Samasthitihi. Uttita Trikonasana, quart de tour vers la droite, j'écarte les jambes, inspire, j'étire et expire, j'attrape mon orteil. Bras gauche à la verticale. Pressez les pieds dans le sol. 1. Ramenez le dos vers l'arrière. 2. Activez les cuisses. 3. Menton vers la clavicule. 4. 5. Expire, regarde en bas. Inspire, redresse. Pivotez vers la. Le pied gauche, inspire, va loin devant, expire, attrapez l'orteil, prenez la posture 1, 2, 3, activez vos cuisses, 4, cherchez à aller vers le haut et pas vers le bas, 5. Expire, regarde en bas. Inspire, redresse. Parivrita Trikonasana, je tourne vers l'arrière du tapis. Bras gauche tendu vers le ciel, j'inspire. Main droite sur le sacrum, expire. Main à l'extérieur de la jambe droite. Tourne le buste. 1. 2. Cherche à allonger ta colonne. 3. Ramenez du poids sur la jambe de derrière. 4. 5. Expire, regard vers le sol. Inspire, redresse, changez de côté. Bras droit tendu vers le ciel, main gauche sur le sacrum. J'inspire, j'allonge. J'expire, je prends le bloc si je souhaite aller plus loin. 1. Gardez les hanches face à l'avant du tapis. 2. Cherchez à allonger la colonne. 3. 4. 5. Expire, regard vers le sol. Inspire, je remonte, je passe par l'étoile de mer sur le côté et je viens en Samasthiti en bout de tapis. Uttita Parshvokonasana, quart de tour vers la droite, main droite extérieure de la jambe droite, j'étire le bras gauche parallèle au sol, le buste de profil. 1, je mets du poids sur mes deux jambes. 2.
3. Quatre, cinq. Je change de côté. Utilisez les blocs si vous pensez en avoir besoin. Un, deux. Gardez bien le buste de profil. Trois. Pressez le genou gauche contre votre bras gauche. 4, 5, expire, regard vers le sol, inspire, je me redresse, Parivrita, Parshvokonasana, la même chose en torsion, je viens vers l'arrière de mon tapis, j'étire le bras gauche, je plie la jambe droite et je ramène la main à l'extérieur de mon pied droit. Je vous montrerai des variations, choisissez votre posture, votre variation. 1, 2, talon gauche au sol si possible. 3, 4. Je pousse les bouts des doigts vers l'avant. 5, expire, regard vers le sol. Je passe par l'étoile de mer, je change de côté. Jambe gauche. Je peux utiliser éventuellement le bloc. Ou si je l'utilise à gauche, je l'utilise également à droite des deux côtés. 1. 2. Je peux aussi mettre le triceps sur ma cuisse et presser les deux mains. 3. 4, 5, activez bien les bras. Expire, regard vers le sol. Inspire, redresse. Samasthiti. Prasarita Padottanasana. Quart de tour vers la droite. Je viens de face, je fais un quart de tour vers la gauche. Main ou hanche, j'inspire. Expire. Les deux mains entre vos deux jambes. J'allonge ma colonne et j'expire. Je ramène le sommet du crâne vers le sol. 1. Poussez les fessiers vers le plafond. Ramenez du poids sur l'avant des pieds. 2. Je vais essayer d'allonger ma colonne. 3. Les coudes parallèles, les épaules loin des oreilles. 4. Inspire, allonge. Expire, sur place. Inspire, main ou hanche, je redresse. Expire. Inspire, étire les bras parallèles au sol. Pousse sur les côtés. Main ou hanche, j'inspire. Et j'expire. Je viens vers l'avant. Je ramène les coudes vers l'arrière. 1. J'essaie de ramener les coudes vers l'arrière. 2. Poids du corps sur l'avant des pieds. 3. 4. 5. Inspire, redresse complètement. Expire sur place. Inspire, bras tendus. Expire. Croise tes mains derrière le dos, j'inspire et j'expire, je relâche vers l'avant. Cherchez à tendre vos bras, à les ramener le plus près possible du sol. 1, 2, 3. 4, 5, inspire, redresse, expire, relâche, inspire, main ou hanche, j'ouvre ma poitrine et j'expire, j'attrape mes gros orteils, j'allonge ma colonne, j'inspire et j'expire, je relâche le sommet du crâne au sol.
les coudes au-dessus des poignets. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, dos plat. Expire, main aux hanches. Inspire, redresse. Expire, samasthiti. Revenez en bout de tapis. Shvottanasana. Main derrière le dos en namasté. Demi-tour vers l'arrière du tapis. Jambes écart des hanches. Écartement des hanches. Inspire, poitrine vers le plafond. Expire, plongez le buste vers l'intérieur de la jambe droite. Pressez les deux jambes, les deux pieds au sol. 1. Cherchez à allonger la colonne. 2. Le menton rentré vers le sternum. 3. 4. 5. Inspire, redresse. Tournez sur l'avant du tapis. Inspire, ouvrez la poitrine. Expire, plongez vers l'intérieur de la jambe gauche. Un. Pressez les deux pieds dans le sol. 2. Essayez d'allonger la colonne. 3. 4. 5. Inspire, redresse. Passez par l'étoile de mer sur le côté. Expire, samasthitihi, en bout de tapis. Utthita Hasta Padangusthasana. Inspire. Étire la jambe. Et éventuellement, allongez le buste au-dessus de votre jambe droite. La jambe gauche, la jambe d'appui tendue au maximum de vos possibilités. 5 respirations. Inspire, redresse. Et expire, ouvrez la jambe droite sur le côté, le regard à l'opposé. Respirez lentement. Pressez bien le pied d'appui au sol au maximum de vos possibilités, puis vous relâchez. Ramenez la tête vers le genou, inspire et expire, lâchez la jambe, les mains sur les hanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, expire. Vous pouvez éventuellement prendre la sangle si vous n'arrivez pas à attraper votre orteil avec la main, avec vos doigts. Inspire, jambe gauche tendue devant, sur 5 respirations. La jambe opposée bien tendue. Évitez de vous pencher vers l'avant si vous manquez de stabilité, puis vous ouvrez la jambe gauche sur le côté, le regard à l'opposé. Ramenez la jambe vers l'avant, ramenez la tête vers le genou, inspire et sur l'expiration, vous relâchez. Vous prenez sur 10 sur 5 respirations ou 10 comptes. C'est de tenir au maximum, pointer le pied, expirer, relâcher. Ardha Baddha Padmottanasana. Vous attrapez votre jambe droite, cheville. Essayez de ramener le talon vers l'aine à gauche. Puis vous attrapez votre pied derrière le dos.
Et éventuellement, vous penchez vers l'avant. Donc, c'est une posture difficile. Je vous montrerai l'autre possibilité de l'autre côté, une autre variation. Et on verra ensemble la possibilité de faire une variante plus simple. Donc, respirez bien, trouvez votre stabilité, une posture d'équilibre et d'ouverture de hanche en même temps. Inspire, dos plat, expire sur place, inspire, redressez et expire, relâche. Donc, la variation un peu plus simple, si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, vous vous ramenez le talon vers l'aine à l'opposé et vous attrapez le creux du coude. Vous restez le buste à la verticale, pas de flexion avant. Si on n'arrive pas à attraper son pied, il vaut mieux rester à la verticale, respirez. Trouvez votre stabilité. Expire, relâche. Revenez en bout de tapis. Inspire, bras tendus vers le ciel. Expire, main au sol, la tête au genou. Inspire, le dos plat, les mains vers l'avant. Expire, saute, chaturanga. Inspire, le chien, tête en haut. Expire, le chien, tête en bas. Sautez les pieds joints entre vos deux mains pour Utkatasana. 5 respirations, les pieds joints, bras tendus vers le ciel, mains jointes idéalement, regard vers les pouces. Poussez bien les fesses vers l'arrière. 1, 2, évitez de cambrer. 3, 4 et 5. Expire les mains au sol, tête au genou. Inspire le dos plat, j'expire, je saute, chatwari, je descends, inspire le chien, tête en haut, expire le chien, tête en bas. Je ramène pied droit devant dans Virabhadrasana 1 à droite sur 5 respirations. 1, 2, pressez les deux pieds dans le sol, baissez les hanches, 3, ramenez les ischions vers le sol. 4. 5. Expire, relâche la tête. Change de côté. 1. 2. 3. Essayez d'aller vers l'arrière si vous pouvez. 4. 5. Expire, guerrier 2, Virabhadrasana 2. Repositionnez vos pieds, bras parallèles, regard vers le majeur gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Changez de côté. 1, 2, on garde bien les épaules au-dessus du bassin, 3, 4, 5, expire Chaturanga. Chien tête en haut, j'inspire. Chien tête en bas, j'expire. Je saute pour venir m'asseoir. Première posture assise d'Andasana. Je ramène la chair des fessiers vers l'arrière, les mains au sol. Je garde un dos bien droit. 1, 2, le menton rentré. 3, pressez bien l'arrière des jambes sur le sol. 4. Calmez votre respiration. 5. J'attrape mes orteils. Inspire. Paschimottanasana. Expire. Essayez de ramener le sommet du crâne vers vos pieds.
Activez Uddiyana Bandha. Aspirez le nombril. 5 respirations. Pressez bien l'arrière des jambes sur le sol et poussez les plantes de pied vers l'avant. Les coudes sur le côté, les épaules loin des oreilles. Je respire avec l'arrière des poumons, avec mon dos. Inspire, redresse. Expire, attrape l'extérieur des pieds. J'allonge ma colonne. Inspire, expire. Flexion avant. 5 respirations ou un peu plus en fonction du temps que vous avez. Activez les cuisses, pressez-les l'une contre l'autre. Cherchez à fléchir à partir des hanches et pas à partir des épaules. Inspire, redresse. Expire, Paschimottanasana C, j'essaie d'attraper mes doigts ou mes poignets pour aller plus loin dans ma flexion avant. À peu près 5 longues respirations, on peut aller jusqu'à 8 si on a du temps. Inspire, redresse, expire, relâche sur place. Vinyasa, je croise mes chevilles, je bascule les jambes vers l'arrière, chatwari, je descends, inspire le chien tête en haut, expire le chien tête en bas. Je viens sauter, jambes tendues pour la posture suivante. Pour Votanasana, j'essaie d'avoir les jambes tendues si je peux, de ramener les orteils au sol, les épaules au-dessus des poignets, le bassin vers le ciel. Si j'ai aucun problème au niveau des cervicales, je relâche la tête. Sinon, je rentre le menton et je regarde en direction du plafond, vers l'avant. Expire, relâche. Vinyasa. Croisez les jambes. Bascule les jambes vers l'arrière, je descends de chaturanga, j'inspire le chien tête en haut, j'expire le chien tête en bas. Prochaine posture, Ardha Badha, Padma, Paschimottanasana. Je saute. Pour venir m'asseoir, j'attrape ma cheville droite. Je la ramène vers la cuisse gauche. J'attrape mon pied derrière le dos. Inspire. Attrape l'extrémité du pied gauche. Expire. Flexion avant. Essayez de presser la plante du pied contre votre bas-ventre pour activer la jambe droite. Et en même temps, vous pressez l'arrière de la jambe gauche sur le sol. Vous essayez d'allonger votre colonne vertébrale en ramenant le sommet du crâne vers le pied gauche. Inspire, redresse. Expire, relâche. Petite transition entre chaque posture. On soulève les fesses et on change de côté. Cheville gauche sur jambe droite. Cette fois-ci, on essaie de poser le genou au sol, 45 degrés. Et éventuellement, on met un bloc sous la cuisse. Et on attrape une sangle si on n'arrive pas à attraper son pied. À peu près 5 à 8 respirations dans cette posture. Plus vous aurez des difficultés dans une posture, plus il sera nécessaire de rester 8 respirations minimum dans ces postures. N'oubliez pas de respirer en Ujjayi pendant toute la pratique. Inspire, redresse. Expire, relâche. Vinyasa. Expire, saute Chaturanga. Inspire le chien tête en haut. Expire le chien tête en bas. Trianga, Mukha Ekapada, Paschimottanasana. Prochaine posture. Je replie ma jambe droite.
vers l'arrière. Éventuellement, vous pouvez vous asseoir les deux fesses sur un bloc et j'attrape ma jambe gauche en flexion avant. 5 respirations. Pressez bien le coude de pied droit ainsi que le tibia sur le sol pour ne pas basculer vers la gauche. On essaie d'équilibrer son poids équitablement au centre du corps. Le sommet du crâne se dirige vers l'avant pour allonger la colonne vertébrale. Et on garde les bras actifs, inspire, redresse, expire sur place. Petit vinyasa, soulevez les fesses et vous changez de côté. Si vous avez mis un bloc sur le côté droit, mettez un bloc également sur le côté gauche, même si vous êtes beaucoup plus souple d'un côté que de l'autre. Sinon, vous allez accentuer votre asymétrie. Les bras actifs, les épaules loin des oreilles, je respire profondément. Et j'active mes deux jambes. Inspire, redresse. Expire sur place, vinyasa. Inspire chien tête en haut, expire chien tête en bas, Janu Sirsasana A. Je ramène la plante du pied droit contre ma cuisse gauche, j'active ma jambe droite ainsi que ma jambe gauche. J'inspire, j'étire la colonne, j'expire. Je plonge vers l'avant. J'essaie d'attraper mes mains, mon poignet, ce que je peux attraper. Sinon, j'attrape ma cheville ou mon mollet. Ou je peux aussi utiliser une sangle. On essaie d'avoir la tête à l'intérieur de sa jambe et pas sur sa jambe pour ne pas dévier la colonne. Inspire, redresse. Expire, relâche sur place. Soulevez les fessiers. Inspire, expire, changez de côté. Plante du pied gauche contre cuisse droite, j'inspire, j'étire, j'expire, je relâche la tête vers l'intérieur de ma jambe droite. Je cherche à me plier à partir de mes hanches en pressant les ischions dans le sol, en aspirant le nombril. Les épaules sont toujours éloignées des oreilles au maximum. Respirez profondément. Surtout avec l'arrière des poumons. J'inspire, je redresse, j'expire sur place, je relâche, vinyasa, je croise les jambes, je bascule les jambes vers l'arrière dans le chaturanga. J'inspire le chien tête en haut, j'expire le chien tête en bas. Janu Sirsasana B. Je ramène la plante du pied droit contre ma cuisse gauche et je place mon talon sous mon périnée. J'inspire, j'attrape mon pied droit, mon pied gauche. J'ouvre la poitrine et j'expire, je relâche. J'essaie de décoller un petit peu la fesse gauche du sol. Mon genou droit est à 45 degrés et non à 90 degrés. On essaie de le ramener vers l'avant. Comme dans Janu Sirsasana A, je cherche à allonger ma colonne. Inspire, je redresse. Expire sur place, je relâche, je soulève les fessiers, inspire, expire, je change de côté. Talon gauche sous le périnée, le genou à 45 degrés. Je bascule vers ma jambe droite, le dos droit. Je tire ma colonne, je ramène le sommet du crâne vers mon pied droit. Essayez de garder les bras actifs. Respirez profondément en ujjayi. Essayez d'entendre votre respiration. Inspire, je me redresse. Expire sur place. Et vinyasa. Je bascule en chaturanga. J'inspire le chien tête en haut. J'expire le chien tête en bas. Prochaine posture, Marichyasana A. Je ramène le talon droit vers la fesse droite. Je
Garde un espace à peu près d'une main entre mon pied droit et ma jambe gauche. Et j'enroule le bras droit autour de ma jambe droite pour attraper mon poignet gauche derrière le dos. Flexion avant. Je presse bien sûr la jambe gauche contre le sol. Et je presse mon pied droit également contre le sol pour activer ma jambe. J'inspire, je me redresse, j'expire sur place. Je soulève les fessiers, j'inspire, j'expire, je relâche, je change de côté. Talon gauche, fesse gauche, j'enroule derrière le dos. Je cherche à tendre les bras pour essayer d'aller le plus loin possible vers mon pied droit. Pressez le pied gauche dans le sol, activez votre jambe. Pressez bien sûr l'arrière de la jambe droite. Le pied à la verticale, on pousse sur la plante du pied, vers l'avant. Inspire, redresse, expire sur place. Vinyasa, inspire, je croise, et expire, je saute vers l'arrière. Je descends, inspire, le chien tête en haut, expire, le chien tête en bas. Prochaine posture, Marichasana B. Plusieurs possibilités, soit le demi-lotus. Je vous montre deux variations. La vraie posture, donc le demi-lotus, je replie la jambe gauche. Donc je commence avec la jambe gauche, je replie la jambe droite et j'attrape mes poignets derrière le dos. Et je relâche le front vers le sol. Posture assez intense, pas accessible à tous. On verra ensemble d'autres variations que vous pourrez enseigner à vos élèves, vos futurs élèves. Ce sont des postures très dangereuses également, il faut faire attention pour les genoux. Inspire, je redresse. Expiration, je vais faire un chaturanga en essayant de garder mon demi-lotus si je suis en demi-lotus. Sinon, je peux simplement soulever les fessiers comme on a fait tout à l'heure entre chaque posture. Je viens sauter. Et donc là, la variation pour les débutants. Je place la cheville droite sous la jambe gauche et je peux poser un bloc sous le front et j'enroule donc les bras autour de ma jambe gauche. Donc là je refais le même côté mais en fait vous devriez changer de côté. Donc soit vous faites la même chose en demi-lotus des deux côtés ou cette variation bien sûr des deux côtés. Inspire, redresse, expire sur place. Vinyasa, je saute Chaturanga, j'inspire le chien tête en haut, j'expire le chien tête en bas. Marichasana C, la torsion, je viens sauter entre mes bras, les jambes tendues, je replie ma jambe droite, le talon droit contre la fesse droite. Là pareil, différentes variations, je vous montre la vraie posture, la posture traditionnelle, j'enroule le bras autour de mon genou et j'attrape mes mains derrière le dos. Je cherche à bien redresser mon buste, à presser la jambe tendue contre le sol et à presser le pied de la jambe repliée au sol pour activer chaque muscle. Je regarde par-dessus mon épaule droite et je cherche à ramener le sternum vers le plafond. Inspire, regarde droit devant, expire. Je change de côté. Donc la variation, vous pouvez simplement ramener le coude à l'extérieur de la jambe. Je cherche à ramener le regard vers mon épaule gauche.
Inspirez profondément, expire. Vinyasa, je croise les chevilles, j'expire, je saute, chaturanga, j'inspire le chien tête en haut, j'expire le chien tête en bas. Navasana, je saute les deux jambes entre les bras, je soulève les jambes un peu sur le bateau. Navasana, les jambes sont serrées, donc soit les jambes tendues, soit les genoux repliés, les mollets parallèles au sol. Les bras sont tendus vers l'avant, parallèles au sol. Donc je choisis mon option, le regard, le drishti situé au niveau des orteils. Je cherche à aplatir mon dos, à pousser la poitrine vers le ciel. J'expire, je replie, j'essaie d'éloigner les fessiers et les talons entre chaque navasana. Après 5 respirations, si vous pouvez rester plus longtemps, c'est encore mieux, mais il ne faut pas non plus trop vous fatiguer. Ne forcez pas, vous y allez progressivement. Soulevez les fessiers, essayez d'éloigner les fesses des talons. Et le dernier, normalement il y en a 5 dans la première série. Ici, on va pour l'instant en faire 3. Expire, Vinyasa. Je descends, j'inspire le chien tête en haut, j'expire le chien tête en bas. Baddha Konasana, je viens sauter entre mes bras, les genoux repliés, les plantes de pied serrées. Je vais caler les coudes au creux des genoux et je vais chercher à remonter les genoux vers le haut. Par contre, les bras sont très actifs et vont pousser les genoux vers le sol. Empêchez les genoux de descendre, laissez les genoux monter au maximum. Donc il faut forcer, essayer d'avoir un dos plat, le regard au sol. Engagez les muscles de l'intérieur des cuisses. Puis, deuxième variation, vous ouvrez vos pieds comme un livre, vous ramenez les coudes vers l'arrière et vous cherchez à poser le front sur la plante de vos pieds. Inspire, je me redresse. Expire, relâche. Vinyasa. Si vous êtes fatigué, vous pouvez faire un petit peu moins de vinyasa pour démarrer. Upavishta, je viens écarter les jambes, attraper l'extérieur de mes pieds. J'inspire, je relâche le front au sol si je peux, ou en tout cas je relâche le buste vers le sol. Sans décoller les fesses, je cherche à allonger la colonne. J'attrape l'extérieur de mes pieds, je soulève les jambes, je regarde en direction du plafond, je reste en équilibre sur 5 respirations. Le dos plat, je suis en équilibre sur mes ischions. Expire, je relâche, puis Vinyasa, Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Je viens sauter pour m'allonger, je ramène les jambes derrière la tête. Écarté, Supta Upavishta. J'attrape cette fois-ci mes gros orteils, je reste 5 respirations. Et je vais venir basculer en équilibre sur une respiration.
vers l'avant. Si vous tombez, vous recommencez, alors pas plus de 3 fois. Et sur l'expiration, vous relâchez le buste vers l'avant sur une respiration. Rapprochez vos jambes, venez vous allonger. Supta Padangusthasana A, inspire, attrape le gros orteil, soulève les épaules, le visage vers le genou, la main gauche sur la cuisse gauche pour presser la cuisse contre le sol. 5 respirations, engagez votre centre. Expire, relâchez la tête au sol. Supta Padangusthasana B, vous ouvrez la jambe droite sur le côté droit, le bras gauche perpendiculaire au corps. Pour contrebalancer le poids. Inspire, amenez la jambe devant, le visage, une respiration, le visage vers le genou, et vous relâchez, changez de jambe, jambe gauche, tête au genou. 5 respirations, main droite sur la cuisse droite. Essayez de garder la jambe droite plaquée au sol. Expire, relâche. Ramenez la jambe gauche sur le côté gauche du tapis. Le regard à l'opposé. Éventuellement, le bras à l'opposé. Ou sur votre cuisse, si vous avez suffisamment d'équilibre, de stabilité. Essayez de ne pas décoller la fesse opposée, ne gardez les deux fesses plaquées au sol, ainsi que les épaules évidemment. Ramenez la jambe au centre, la tête au genou, une respiration, expire, relâche. Vinyasa. Puis vous allez sauter pieds joints entre les jambes. On va préparer la colonne vertébrale pour les flexions arrière, Urdhva Dhanurasana. On va faire quelques exercices qui vous permettront d'assouplir votre colonne vertébrale, les jambes écartées, les mains jointes en Anjali Mudra. Vous inspirez, vous ramenez les coudes vers le plafond, le buste vers le plafond et ramenez la tête vers le sol. Ramenez bien le bassin, le pubis vers l'avant. 3 respirations, je vous montrerai. Essayez de tendre les bras vers l'arrière, vous pouvez faire ça contre un mur et sur l'inspiration, vous remontez à la force des cuisses. Vous faites ça à peu près 5 fois. On le fera ici 3 fois pour l'instant. Donc, montez bien le sternum vers le plafond, les coudes vers le haut, cherchez à allonger la colonne. Ramenez les bras tendus vers l'arrière et inspirez, revenez vers l'avant. Pressez les pieds au sol, activez les cuisses, dernière fois. J'inspire, je monte, j'expire, je descends. J'inspire, je monte, j'expire, je descends. J'inspire, je monte, j'expire, je tends mes bras vers l'arrière. Et j'inspire, je reviens. Je vous montre une dernière fois de profil. Vous pouvez écarter les jambes un petit peu plus si c'est difficile. Normalement, un petit peu plus que la largeur des hanches. Donc, observez bien le bassin qui se dirige vers l'avant pendant que le sternum se dirige vers le haut et on cherche à basculer vers l'arrière. Relâchez la tête dans les avant-bras, flexion avant, ramenez du poids sur l'avant des pieds. Vous pouvez vous balancer de la droite vers la gauche pour relâcher les tensions au niveau des vertèbres. Venez vous allonger pour le demi-pont, les pieds à plat au sol. Vous inspirez, soulevez le bassin, entrelacez les doigts. Vous pouvez caler un bloc entre vos cuisses au niveau des genoux. Pressez le bloc contre vos genoux. Poussez le sternum vers le menton. Et restez à peu près 5 respirations dans cette posture. Ramenez bien le pubis vers le plafond.
Pressez les bras contre le sol, les pieds également contre le sol. La nuque est longue et le menton rentré. Expire, redescend. Tournez les deux genoux vers la droite, les bras en croix. Et les deux genoux vers la gauche, le regard à l'opposé. Soit vous refaites la même chose le demi-pont, soit vous passez à Urdhva Dhanurasana, les mains à côté des oreilles. Je pose la tête d'abord, j'ajuste la position de mes mains. Je cherche à engager les cuisses, l'intérieur des cuisses. J'imagine que je serre un gros ballon entre mes cuisses. Je reste quelques respirations, la tête au sol. Et je relâche. On prend le temps de passer dans Urdhva Dhanurasana. Si on est très à l'aise avec cette posture, on peut passer directement dans la posture Urdhva Dhanurasana sans passer par ces étapes-là. Donc cette fois-ci, on va tendre les bras, on va chercher à ramener les épaules vers les poignets, à aligner les épaules au-dessus des poignets. Donc pour ça, on va chercher à tendre ses jambes. On imagine qu'on a un mur devant soi et on cherche à ramener le sternum, le menton contre ce mur. On fera l'exercice ensemble contre le mur. Expire, redescend, vous restez à peu près 5 respirations. Basculez en position assise pour Paschimottanasana, la contre-posture dans laquelle on peut rester à peu près 10 respirations. Une flexion avant complètement relâchée. Essayez de vous détendre, de réguler votre souffle. J'inspire, je me redresse. Expire, relâche la face. Vinyasa. Et me sauter entre les mains. Salamba Sarvangasana, la posture de la chandelle. Je vais ramener les jambes derrière. Et je ramène les mains au niveau des reins, le plus près possible de mes omoplates. Puis je ramène les jambes à la verticale. Je rapproche mes coudes. Donc c'est l'équilibre sur les épaules. On essaie de bien se caler sur les trapèzes et les épaules et de relâcher la nuque. Le regard en direction du nombril ou les yeux fermés. Ce sont les postures de fin. On essaie de vraiment se reposer, se détendre. On reste à peu près 10 respirations, entre 8 et 10 respirations dans cette posture. Je vais ramener les jambes derrière dans Alasana, posture de la charrue. Les pieds pointés, les bras tendus. Si les pieds touchent le sol, je garde les bras au sol, les doigts entrelacés. Sinon, je garde les mains derrière le dos. Karnapidasana, je replie les genoux contre mes oreilles, je presse mes oreilles.
Urdhva Padmasana, je fais mon lotus en haut si je peux. Donc soit lotus, soit demi-lotus. Et je vais chercher à rester en équilibre en pressant les mains contre mes cuisses. Vous cherchez à ramener les genoux vers le bas et à presser les mains contre vos cuisses. Activez les forces opposées pour trouver votre équilibre sur vos trapèzes et vos épaules. Pindasana, je rapproche les genoux de la poitrine. Matsyasana, je garde mon lotus, je ramène le sommet du crâne au sol, je décolle les omoplates, j'attrape mes orteils et j'essaie de ramener les genoux le plus près possible du sol. Je pousse bien la poitrine vers le plafond. Uttana Padasana, je tends les jambes 45 degrés ainsi que les bras. Donc les jambes pas trop haut, à la diagonale. Je garde le sommet du crâne au sol, la poitrine dirigée vers le plafond. Je relâche, vinyasa. Chien tête en haut, chien tête en bas. Sirshasana, je me mets sur les genoux, je prépare mon socle avec mes bras, mes avant-bras. Je pose le sommet du crâne au sol, je cale la base du crâne contre mes paumes de main, je tends les jambes et j'essaie de soulever mes jambes si je peux, les jambes tendues, sinon je replie mes genoux contre la poitrine. Je trouve ma stabilité en pressant les avant-bras sur le sol, en pressant la tête sur le sol à maximum 20% du poids du corps sur la tête. Le reste sur les épaules, le centre, les avant-bras. 10 respirations dans Sirshasana. Respirez profondément, essayez d'avoir de longues respirations, lentes et profondes. Et vous ramenez les jambes à l'équerre, perpendiculaires au corps, de manière à pouvoir voir vos orteils. Donc il faut basculer légèrement vers l'avant. Comme vous pouvez constater, mes jambes ne sont pas à l'équerre. Aujourd'hui, c'était mon maximum. Puis je ramène les jambes vers le plafond, à la verticale. Et je ramène les jambes à l'horizontale, perpendiculaire au corps. Et je relâche Balasana. Relâchez à peu près sur 4-5 respirations dans la posture de l'enfant. Redressez-vous vertèbre après vertèbre. Venez vous installer dans le lotus pour yoga mudra, donc soit lotus, soit demi-lotus. Attention à vos genoux, ne forcez surtout pas dans ces postures. Il y a beaucoup de lotus dans la première série. Donc ici, soit on attrape ses coudes derrière le dos, soit on attrape le bout de ses orteils. Inspire, dos plat, expire, front au sol. 10 respirations.
Inspire, je me redresse. Padmasana. Les bras tendus. Index. Pouce en connexion. Le regard vers le sol. Je cherche à calmer ma respiration, à réguler mon souffle, à rester ancré dans l'instant présent. Le dos bien droit, les épaules vers l'arrière et le menton rentré légèrement vers le sternum. À peu près 15 respirations. Houppelotis, pressez les mains sur le sol et soulevez les fesses, activez vos jambes. 10 respirations. Ici, pour cette première série modifiée, nous allons rester 6 respirations. Faites ce que vous pouvez. Expire, relâche. Essayez le vinyasa si vous êtes en lotus. Comme je suis en train de faire, inspire le chien tête en haut, expire le chien tête en bas, et vous allez venir sauter entre vos bras pour vous allonger dans la posture finale, Shavasana. Prenez toujours le temps de rester au moins 10 minutes dans Shavasana, c'est très important. Relâchez les pieds, les jambes, les bras, éteignez vos lumières. Et reposez-vous 10 minutes.
Puis vous allez redonner vie à votre corps, ramener les genoux contre votre poitrine, remuer les pieds, les jambes, masser votre sacrum, basculer sur le côté en posture fœtale. Prenez quelques instants dans cette posture avant de venir vous redresser en posture de méditation. Prenez un instant pour vous remercier. Namasté.